Prenons place, frères et sœurs, pour entendre la première lecture qui nourrira notre méditation à deux voix. Cette année, nous avons décidé de parcourir des épîtres de Paul pour célébrer Noël. Donc, ne partez pas, de toute façon, ce serait un comportement suspect de votre part. Vous restez pour entendre Noël chez l'apôtre Paul. Pour ma part, j'ai choisi les premiers versets de l'épître aux Romains, la première épître de Paul selon l'ordre de la Bible, mais la première, vous le savez, écrite de Paul et l'épître aux Thessaloniciens. Voici donc dans l'épître adressée à la communauté de Rome ce que l'apôtre Paul écrit. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons notre recueil de chants, louanges et prières pour chanter ce cantique que notre organiste Jean-Dominique Pasquet nous a déjà mis dans l'oreille au tout début de ce culte. Ô peuple fidèle, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu.
Éternel, viens toi-même préparer pour nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager comme on partage le pain, entre nous, en famille ou entre amis. Chers frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul parle de Noël, c'est précis, c'est sobre, c'est protestant. Point de merveilleux, point de magie, point de surnaturel dans la conception de Jésus, descendant de David, selon la chair. Vous vouliez savoir comment il a été conçu, comment il est né, circuler, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, pour Paul, le véritable moment où le Christ vient au monde, c'est à Pâques, puisqu'il dit que c'est par sa résurrection que le fils de David est déclaré fils de Dieu. Pour l'apôtre Paul, si Jésus est Christ, ce n'est donc pas en vertu d'une conception particulière, mais parce qu'il a incarné la puissance de l'Esprit de Dieu. Pour l'apôtre Paul, Jésus est Christ, non pas parce qu'il aurait été doté de molécules divines à sa naissance, mais parce qu'il a traduit l'espérance de Dieu à travers ses paroles et ses actes. Mieux que cela, Jésus est Christ parce qu'il a ouvert de nouveaux chemins dans l'histoire de l'humanité, nous rendant nous-mêmes capables de nous comporter d'une manière digne de Noël, digne de l'espérance de Dieu, digne de ce que nous appelons aujourd'hui une manière chrétienne de vivre. Ce qui intéresse Paul, c'est ce que Jésus provoque chez nous. Et pour Paul, Jésus est un sacré provocateur. Ce qui intéresse Paul, c'est ce qu'il nous autorise à vivre, non pas ce qu'il était, mais ce qu'il fait pour nous. Et cela se traduit dans la salutation de Paul, devenu l'acte inaugural de tous les cultes chrétiens, celui même que nous avons encore entendu ce matin, la grâce et la paix. Ce que Jésus provoque, c'est l'introduction de la grâce et de la paix dans notre quotidien. À la salutation classique de la société romaine, communauté à laquelle il s'adresse, qui était joie et prospérité, l'apôtre substitue la grâce et la paix. Ce sont des mots qui sont devenus évidemment tellement habituels que nous n'y faisons plus beaucoup attention. Ils font partie de la routine du culte. S'ils n'étaient pas là, on serait fâché. Mais s'ils y sont, on ne les écoute pas. C'est un peu comme les Amen à la fin des prières, ou comme le Notre Père. On le dit, mais sans grande conviction, parfois. Eh bien, ce sont pourtant deux termes qui viennent bousculer les habitudes sociales de l'Empire romain. Ce sont deux mots qui font irruption dans un ordre particulièrement bien établi et qui disent de quelle manière Jésus a bousculé l'histoire. Noël peut donc se dire à travers la grâce. La grâce,
quand on y pense, est vraiment une perspective hors du commun. S'il y a du surnaturel dans l'histoire de Noël, c'est du côté de la grâce que nous pouvons la trouver. La grâce, c'est ce qui rompt avec le fonctionnement du monde auquel nous sommes habitués. Notre monde n'est pas tellement gracieux, à vrai dire. Eh bien, la grâce affirme, par exemple, que notre valeur intrinsèque nous est acquise d'emblée, indépendamment du moindre mérite, indépendamment de ce qu'on a fait de nous. La grâce court-circuite toutes les instances humaines qui voudraient s'arroger quelque pouvoir sur les âmes. Ces instances humaines qui donnent des diplômes, qui donnent des brevets, qui donnent des labels et qui donnent une hiérarchie entre les êtres humains. C'est de l'Éternel que nous recevons notre véritable valeur, par grâce seule. Noël peut se dire également à travers la paix, qui n'est plus seulement le plaisir auto-centré de la prospérité qui se fait si souvent aux dépens des autres. La paix intègre celles et ceux qui nous entourent. La paix implique de la responsabilité, dans la mesure où Jésus aura indiqué qu'il ne la donne pas à la manière du monde. La Pax Romana était une réalité tangible, la paix romaine. Mais la Pax Romana, la paix romaine, se faisait par l'usage de la force. Elle était imposée au peuple qui devait se soumettre servilement. Jésus va lui opposer sa paix, une paix qu'il ne donne pas selon le monde, insiste-t-il, mais qui se fait par une libre adhésion, l'obéissance de la foi, selon l'expression de Paul. L'obéissance de la foi, c'est le fait d'adhérer librement à une perspective commune. Plus besoin d'un ennemi commun pour souder l'unité du peuple. Ce début d'Épître aux Romains fait retentir quelques appels, notamment l'appel lancé par Jésus, dont parle Paul. Eh bien, Noël est fort de ces appels, mais Noël fait retentir un appel qui est bien plus large. C'est l'appel à la vie selon l'Éternel, cette manière chrétienne d'habiter le monde. Bien plus grand, bien plus important qu'un sursaut républicain, bien plus conséquent que les appels à resserrer les rangs, bien plus large que tous les appels, à vrai dire, qui souvent sont des appels à se dresser les uns contre les autres, à faire bloc contre le parti d'en face. Eh bien, Noël fait retentir l'appel à la vie par-delà les clivages, par-delà les tendances. La grâce nous appelle à faire valoir notre liberté individuelle, à ne jamais la sacrifier, parce que notre liberté est le meilleur moyen d'offrir à la communauté humaine notre génie propre. C'est le meilleur moyen pour empêcher l'histoire de s'épuiser dans une inlassable répétition. La paix, quant à elle, nous invite à être responsables à l'égard des autres. La paix, selon l'Éternel, bannit les égoïsmes. Elle récuse les petites combines, les intérêts particuliers. La paix, c'est la recherche solidaire du bien commun, sans esprit de parti, sans chercher à défendre une chapelle particulière. Noël inaugure un nouveau temps, qu'on pourrait appeler un temps messianique avec le vocabulaire religieux. Noël inaugure l'histoire de la liberté d'agir dans un esprit de service. Non pas se servir, mais servir. Noël affirme que nous sommes capables de transcender nos instincts naturels, ces instincts de survie qui sont si souvent des replis sur soi. Et se replier sur soi, c'est se stériliser sur place. Noël est une invitation à l'apostolat, répète l'apôtre Paul, aussi bien pour lui-même que pour les autres. L'apostolat, c'est le fait d'être envoyé, envoyé au loin. C'est un envoi aux confins de la vie, aux confins des expériences humaines, là où la vie est peut-être d'ailleurs devenue inhumaine, souvent insupportable, là où la vie n'est plus une vie, de l'aveu même de ceux qui subissent une histoire qui n'a plus rien d'exaltant, où tout semble joué d'avance,
une vie où ils n'ont plus leur mot à dire. Eh bien, la grâce affirme que chacun a justement son mot à dire, que personne ne peut être déchu de sa dignité de fils de David, fils d'Adam, ultimement fils de l'homme. La paix, quant à elle, nous indique comment orienter nos paroles pour que nous servions bien l'Éternel et pas nos seuls intérêts. La grâce nous autorise en toutes circonstances et de façon irrévocable à nous exprimer, à peser dans la balance. La paix, quant à elle, nous invite à renoncer aux discours et aux agissements qui sèment la division, qui favorisent le désespoir. Il ne faut ni désespérer Billancourt, ni exaspérer l'oratoire. L'apôtre Paul a raison. Noël est bien moins un problème gynécologique que la grande ouverture d'une nouvelle histoire où chacun, chacune, se trouve investi, réinvesti, de la responsabilité de susciter la foi, c'est-à-dire l'adhésion libre, librement consentie. Cette adhésion aux dynamiques qui permettent de porter irrésistiblement la vie à son incandescence. Amen. Effectivement, merci James donc pour cette lecture dans la lettre aux Romains. C'est vrai que ça, c'est la sixième année en fait que nous faisons ensemble une prédication pour Noël. Donc nous avons vu les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'année dernière la Genèse, le début de la Genèse, et cette année avec l'apôtre Paul. Quant à moi, je vous proposerai dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 2, ce passage où Paul dit « La grâce a été manifestée », alors c'est au verset 11. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. » En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, en Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre,
de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les humains. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, et puis asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, méchants, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains ont été manifestés, alors il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance en Christ Jésus, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et qui est utile aux humains. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors les circonstances de cette lettre, c'est l'apôtre Paul qui envoie Tite, donc un de ses amis, dans des églises aux quatre coins de l'Empire romain pour les aider à progresser. Il les envoie en particulier dans des églises comme Corinthe ou la Crète, où ils tombent dans une situation passagère difficile avec plein de mensonges, des coups par derrière, de petits chefs qui abusent de leur petit pouvoir. Et alors Paul conseille à Tite de vraiment repartir avec la base de la base, avec ce que Jésus a apporté de beau à l'humanité. Et donc nous pourrions, je pense, y entendre l'évangile de Noël. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Alors c'est l'évangile de Noël, et à mon avis c'est une grande nouveauté, c'est peut-être même la spécificité de l'enseignement chrétien par rapport au judaïsme, qui était la religion de Jésus, par rapport aussi à ces grandes religions que sont l'islam, le bouddhisme, et par rapport aux philosophies grecques, dont parle d'ailleurs Paul au début de cette lettre de Tite. La grâce, c'est une façon d'être, une manière de fonctionner, c'est une certaine théologie, une certaine conception de Dieu, de ce qu'il offre et de ce qu'il attend des humains, et cela nous enseigne une certaine façon d'être en relation avec les autres, et puis aussi de concevoir notre propre existence, comme l'a dit James à l'instant, sur notre dignité. Alors, la grâce a été manifestée. Le verbe traduit ici par « manifester » est peut-être un peu faible. En français, en grec, il rend bien ce large champ d'impact de la nouveauté apportée par le Christ. Le verbe « épiphaino » veut dire, le verbe « épiphaino » qui a donné le mot « épiphanie », bien sûr, que nous connaissons, ça veut dire illuminer les alentours. Et effectivement, notre texte insiste à deux reprises sur cette épiphanie et il explique ce qu'est cette grâce de Dieu si éclairante en large spectre sur notre existence. Il dit que cette grâce, c'est la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains. Là encore, nous connaissons ce mot grec littéralement. C'est la philanthropie de Dieu, l'amitié pour l'espèce humaine, pour chaque humain. Et c'est une qualité de Dieu, on n'y peut rien, et je pense que lui non plus n'y peut rien en fait, c'est sa nature, il est comme ça. Il est bonté et il est philanthropie. Et c'est ainsi que Dieu est source de salut pour tous les humains. Vous avez bien entendu, salut de Dieu pour tous les humains. Sans condition.
Alors c'est ce qui a été manifesté comme une lumière qui illumine notre théologie tout entière, notre compréhension du salut pour les humains, pour chacune et pour chacun, et puis aussi notre façon d'être, notre éthique, notre compréhension de ce qui est juste. Mais alors, on entend dire souvent, mais alors si tout le monde est sauvé, si tout le monde va au paradis, comme dit Coluche, alors à quoi est-ce que ça servirait de prier, de se fatiguer à aller au culte, même le dimanche matin ou le matin de Noël après le réveillon? À quoi ça sert d'essayer de faire du bien plutôt que de faire du mal tranquillement ou de profiter ou de se reposer si tout le monde est sauvé par la bonté même de Dieu? Eh bien, Paul répond ici à cette question, si nous nous appliquons à agir le mieux possible, c'est tout simplement, nous dit-il, parce que c'est beau et c'est utile aux humains. C'est là la conclusion de son passage qui s'ouvre sur cette manifestation de la grâce de Dieu. Quelle meilleure raison de pratiquer le bien? Quelle plus juste, plus enthousiasmante façon de vivre? Faire le bien juste parce que c'est beau et puis que c'est utile, ça fait avancer le schmilblick. Du coup, l'existence humaine ne ressemble plus à une corvée. On n'est plus comme à l'usine, devant, travailler pour gagner sa soupe, son salut. Non, on vit et on agit en cherchant l'occasion d'avoir un geste beau et utile. En fait, un geste beau est utile parce que la beauté sauve le monde, et puis un geste utile a sa vraie beauté, et donc les deux vont de pair. Mais avant même de nous apprendre comment mettre cette beauté au cœur même de notre vie, la première chose que la grâce de Dieu nous enseigne, d'après ce passage, eh bien c'est d'avoir le courage, la force et la sagesse de voir ce qui est moche dans notre existence, dans notre façon de vivre. Alors c'est comme dans les évangiles, les quatre évangiles. Avant la grâce de Dieu manifestée par Jésus-Christ, par ses paroles, par sa vie, eh bien l'évangile s'ouvre sur l'appel de Jean-Baptiste à changer de vie. Et c'est comme un bain qui cherche à éliminer ce qui est moche dans notre vie, dans notre théologie, dans notre façon d'être. Mais la question dans cette affaire de purifier notre existence, la question n'est plus d'être motivé par la peur de Dieu, mais simplement, à la lumière de sa grâce, savoir faire la différence entre ce qui est beau et ce qui est moche. Et puis d'aimer grâce à lui ce qui est beau et trouver désagréable ce qui est moche. Ça paraît une évidence, c'est beaucoup moins facile en fait à vivre, en réalité, très concrètement. Et c'est pourquoi le reste appartient à Dieu, à sa grâce active. C'est pourquoi ce bain est appelé bain de régénération et de renouveau dans le Saint-Esprit, nous dit ce texte. Oui, la puissance de transformation vient ici de Dieu, comme un bain de jeunesse, nous dit Paul. De jeunesse sans cesse renouvelée, d'enthousiasme renouvelé pour ce qui est beau, de nouveaux départs, de nouvelles tentatives pour mettre du beau à la place du moche dans notre vie. Cette grâce de Dieu, nous dit Paul, nous enseigne à vivre. Alors ce verbe « enseigner », « paille de haut », qu'emploie l'apôtre Paul, a donné le mot français « pédagogie », « d'éducation de l'enfant ». Ah oui, cela aussi nous dit, je crois, la douceur de Dieu à notre égard et son inlassable patience. Si Dieu est le maître, c'est à l'image de ces professeurs géniaux que nous avons pu avoir la chance de croiser dans notre enfance et qui arrivent à éveiller le meilleur dans leur élève par leur charisme, par leur douceur, par leur passion peut-être pour leur matière et surtout pour leur élève. Alors à nous de prendre ce virus de cette bonne pédagogie de Dieu dans le monde. Alors c'est ainsi que Dieu nous sauve en Christ, par cette formidable manifestation de sa bonté, de sa philanthropie. Et cela éclaire bien des choses dans la théologie chrétienne du salut, en particulier sur ce que vaut cette idée que le Christ aurait payé. Payé à qui ? Au diable, à lui-même, que sais-je, une rançon par sa mort pour nous libérer de la condamnation. Rien n'est plus étranger, évidemment, à la grâce que cette idée d'un marchandage morbide. Rien n'est plus étranger à la grâce que
que cette idée de comptabilité de fautes, de peines et de mérites, l'origine de cette théorie, de cette théologie du salut, est juste une question, à mon avis, de traduction malheureuse de quelques notions hébraïques. Certaines versions de la Bible gagneraient à être corrigées, y compris celles que je vous ai lues à l'instant, qui parlent de rachat. Le Christ nous a rachetés. Alors on pense à une rançon qui serait payée. Mais en fait, on pourrait traduire aussi bien « Christ nous a libérés ». C'est une autre traduction tout à fait possible de cette notion hébraïque, traduite ici, malheureusement, par « rachat ». Et puis on pourrait remplacer « Christ victime expiatoire », que l'on peut trouver par exemple dans la première lettre de Jean dont parlait James tout à l'heure. On pourrait le traduire tout à fait par « Christ est signe du pardon de Dieu », ce qui est tout autre chose, bien sûr. Mais au-delà de la théologie, c'est notre vie tout entière qui est enseignée par cette grâce lumineuse. Et donc nous pouvons vraiment travailler à remettre cette source de la beauté au cœur même de notre humanité, selon trois axes, nous dit ce texte, la sagesse, la justice et la piété. Et cela embrasse notre existence tout entière, donc avec cette manifestation, cette mise en lumière à large spectre sur l'existence humaine tout entière. Alors d'abord la sagesse, oui, à la lumière de la grâce, nous savons que Dieu n'a pas une légion d'anges qui serait affectée à la police de la croyance, à la police de la pensée, surveillant si nos croyances sont bien conformes. Mais simplement, nous apprenons par la grâce que notre pensée théologique et éthique peut véritablement être quelque chose de beau et utile pour l'humain, et que travailler à cette pensée théologique, à cette sagesse, à cette philosophie, peut être source de beauté dans notre existence et peut être fort utile pour avancer. Et oui, les anges dont parlent les merveilleux récits de Noël de l'Évangile selon Luc, ce n'est pas la police des pensées ni la police des mœurs, mais ça évoque combien Dieu peut nous éclairer de l'intérieur dans cette recherche de sagesse belle et bonne. Alors la grâce transforme aussi notre façon de débattre avec les autres. Et là aussi, c'est une source de sagesse. À la fois pour trouver ce qui nous enrichit mutuellement dans une pensée mise ensemble, mais aussi pour vivre nos désaccords d'une manière féconde avec cette paix dont parlait James à l'instant. Alors ensuite, oui, la justice. Est-ce que ce n'est pas beau et utile de chercher à vivre en ce monde en cohérence avec ce que nous pensons être juste à la lumière de la grâce de Dieu manifestée en Christ? Et puis ensuite de chercher avec Dieu quelle situation, quelle personne en particulier pourrait nous être confiée, quelle parole ou quel silence, quel geste, quel combat sera le plus porteur d'une justice croissante pour le monde et pour ceux qui nous sont confiés. Oui, sous la grâce, par la grâce de Dieu, cette justice sera toute teintée de bonté, de beauté, de philanthropie, d'amitié et de respect pour chaque personne individuelle, autant que possible. Et Paul propose enfin la piété. Alors notre piété aussi est sauvée par la grâce. Et là encore, ce n'est plus parce qu'il faut, mais parce que c'est beau et agréable de chercher Dieu, de s'ouvrir de plus en plus à son étrangeté si vivifiante. Oui, la piété, c'est tout simplement un peu de temps, un peu de concentration, un peu de disponibilité accordée à la prière. C'est le troisième et essentiel pilier de la vie en ce monde. Ou peut-être faudrait-il dire que c'est le premier, puisque c'est par la piété que la grâce de Dieu pourra le mieux infuser finalement dans notre sagesse, dans notre justice, dans notre façon d'être, dans les petites choses et dans les grandes. Mais surtout que cet évangile de la grâce de Dieu ne soit pas un oreiller de paresse pour nous. Ce serait une réponse bien moche et bien vaine à cette façon d'être Dieu si belle, si utile, si féconde et si joyeuse. Oui, la grâce de Dieu a été manifestée pour nous faire vivre et vivre avec enthousiasme. Amen.